Bonjour, c'est Cathy, bienvenue sur les Gaming pour l'épisode 8 du Let's Play de Draculo en compagnie de Rick, Yout et Farah. Coucou. Et on s'approche juste en plein raid, je suis assez speed. Voilà, ce qu'il faut c'est évidemment protéger la base. Et en fait, on se reprend parce qu'en fait, on va valider la quête de Madame Féline. On a joué un petit peu hors vidéo depuis la dernière vidéo. Un tout petit peu, en fait, on a relié un petit peu plus vite, je vais vous montrer juste après. Elles sont reliées, elles sont pas. Oh là, par contre, les plantes, elles commencent à tirer la gueule, nos plantes là. Effectivement, elles ont. La barre de vie diminue. Donc c'est pas bon signe. Alors, le petit chien qui court là-bas là. On est dans les mines. Ok, ça c'est fait. Ah, il faut pas aller dans les mines. Hein. Ouais, j'essaie. Mauvaise idée. Je vais bien les latter quoi. Faut sauter et passer derrière. Bon, fini. Bien joué. Il y en a qui a un cadeau pour nous, mais ça c'est pas maintenant. Il va falloir absolument nourrir parce que moi j'ai été fermé du coup, j'ai plein de bouffe sur moi. Je dois nourrir et. Mais il est dans le chaudron là. Ouais, il en reste 6. Ouais, alors... Il en reste 6. Ouais, c'est des petites couilles là. Non, il y en a une. Non, là. Enfin, il y a un chien en fait, là, c'est un chien qui balance des. Sur patte. Enfin, avant, je crois que c'est moi qui ai pété la barrière. Il y a une barrière qui a disparu. Hein, non, non, c'est. Tu peux pas faire des dégâts au barrière. C'est fini là. Le coffre il est devant moi là. Ok. J'en mets tout dans le chaudron histoire de régène au moins au minimum. C'est un ski. Super. J'avais une brique de jus sur moi. Par contre, j'ai des graines. Donc si elles ont faim, par contre, elles pourront manger. Voilà, ça, je vais pouvoir le régène. Graines de carottes ou graines de choux, ça, je peux... Oh, bah. Si vous avez des diamants, là, des pierres, bah, jetez-les par terre, mettez-les pas dans le truc, donnez-les-moi. Soignez le dragor. Alors... Se lier un dragor pour restaurer une partie de sa santé. Je pense que j'en ai plein, Farah, mais sauf que là, je peux pas te les donner, parce que là, je m'en sors pas. J'en ai vraiment plein sur moi. Donc, okay. Là, toi, j'avais 6 malachites. Pour te dire. Ouais, c'est que... ouais faut se lier à eux pour les soigner. Hein. Mmh. Ouais. C'est pas moyen de tout transférer d'un coup, quoi. Fragment de lumière, que j'en ai 15, quoi. Ici, donc, en bas, eux pour déposer les cristaux, c'est pour déposer les trucs de fabrication. Ça, je fais E et C. D'accord, ok. Ouais, mais il me reste toujours sur moi. Ok, mais ça va mieux. J'ai tout vidé, je t'invite à aller voir. Enfin, je suis désolé, j'ai pas fouillé plus que ça. C'est vrai que nos plantes là commencent à. Oh putain la vache, oh non, il fait pitié celle-là. Là. Quand elle a le nez qui frotte par terre, c'est t'as les bras qui frottent. Puis elle essaie d'avancer en poussant. Ah oui, dis-toi. Ah, ouais. Bah elle a besoin de quoi? Que tu te lies à elle. Bah je vais lui faire un bisou. Soignez le dragor déjà. Ça va l'éviter de mourir comme un con. Voilà, déjà il va être content. Ça n'empêche pas qu'il tombe comme une grosse merde quand même quoi. Il rend voilà, full vie celle-là là. Ouais, des fois faut le faire. Non, mais en fait c'est pas qu'elle manque de vie, c'est qu'elle manque de quelque chose à boire ou à manger ou. Bah attends. Manque de je sais pas quoi. Attends. Ouais. On va pouvoir se faire un petit flipper là. Alors ça c'est bien. Ça devrait leur remonter le moral. Maintenant qu'on a 32 circuits électriques. Et fort elle est mal aussi. Hein. Bah là ce qu'il nous faut c'est de l'eau en fait. Hein. C'est clairement de l'eau pour moi. Mais sauf que l'eau, tout ce qui est eau potable on l'a déjà fait. Ouais voilà, eau potable on l'a déjà fait. Ouais, elle bricole la batterie elle. Donc je comprends pas en fait pourquoi en fait on irait... En train de trafiquer des trucs. C'est ça, la prochaine qui va monter dessus elle va se faire électrocuter. Vous aviez une serre aussi parce que moi j'ai pas encore vu la serre au passage. Ok, elle est là. Est-ce que ça va... on peut planter dedans je peux rien planter dedans. Mais moi j'aurais essayé. Une belle serre. Comme on aime bien, très très mignonne, très... Bah, très une stylée, piste de danse qu'on peut débloquer, ça devrait les... Non, et un jacuzzi. Alors, mais si on peut faire de l'eau. Là. Ouais, si on peut faire de l'eau, ouais. C'est l'eau, là, de l'eau potable, on a fait. Hein. Bah, oui, mais il y en a pas assez, regarde. Ok, je refais. Comment on pourrait en faire d'autres des avec des puits. Non, ouais. Avec des fontaines. Des fontaines à eau. Elles sont où les fontaines à eau? Alors, elle va être construite sous peu. Bah dès que l'eau t'arrivera. Là... dès qu'elle arrêtera de ramper, elles sont marrantes quand elles sont comme ça, mais ça fait quand même de la peine pour elles, tu vois. Franchement. Ok, à part ça, puisqu'on y est, on va regarder un petit peu l'état aussi de nos plantes, peut-être. Alors, on en a quand même... On a 8 dragors. Sur les 8, il y en a 5 qui sont adultes et 3 qui sont adolescents. Ah, mais elle a été cassée, en fait, l'autre pompe. Ah. L'autre fontaine de purifiante, elle a été cassée. C'est peut-être ça, ouais. Par contre, à mon avis, une, ça veut pas suffire. Hein. Non, parce que bah, c'était quand même limite. Hein. Ouais, mais elle a dit qu'elle a pas d'eau, faut la relier, hein. On est d'accord. Hein. Vous l'avez reliée? Oui. Ah, c'est bon, elle est reliée. Donc ça devrait aider. Alors déjà l'eau, vous avez vu qu'il n'y a plus qu'un trait. Et un trait vers le bas, et leur sourire n'est plus qu'un trait vers le... Enfin leur sourire, leur... En fait qu'ils soient heureux. Ça c'est le flipper. Leur divertissement est juste un peu bas.
Déjà, il est remonté un peu. Donc, si vous mettez deux, deux fontaines d'eau. Ah bah, c'est bon, c'est là, j'ai dit encore. Hein. Donc, je sais pas, on est en niveau combien. Bravo, Farah qui. Je sais pas si c'est Farah qui fait ça. Oui. Niveau de camp, on bravo est sept. De trier des pierres, parce que ça, j'ai mis un peu le bordel dedans. la bouffe remonte, mais alors, par contre, tu vois, le fait qu'elles sont pas heureux, ça redescend encore. Hein. C'est niveau 2. Hein. Donc, moi, je vais bien crafter quelque chose si vous voulez, parce que c'est vrai que là, tout à l'heure, j'en ai rien, je regarde. Farah, tiens. Fais ça tout à l'heure. Ça. 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 En fait, elle s'ennuie. Voilà. En fait, merci, Et en fait, faut pas chercher, c'est clair qu'elle s'ennuie. Mais par contre, pourquoi ? On va leur faire le flipper là ? Ah, mais c'est fait le flipper. Ouais, mais si, il l'a fait. Elle s'en sert pas. Bah attends, on va leur faire un jacuzzi. Ouais, je pense que vu le niveau et le nombre de dragors qu'on a maintenant, il va falloir beaucoup de divertissement. Parce que je sais pas si vous avez vu, en fait, des fois, elles s'arrêtent de ramper là. Et en fait, elles se mettent adossées sur le coude, allongées. Et en fait, elles tapent trois petits doigts en fait, sur le sol comme si elles se déchient quoi. C'est exactement ça en fait qui se passe. Je sais pas si vous avez regardé le flipper, il est trop marrant. Non, j'ai pas eu le temps de regarder là. Il est trop bien fait. J'essaie de t'aider, toi. Ah oui, il est sympa, ouais. Le dragon. Il est sympa, ouais. Avec un homard encore. Il y a un homard, effectivement, puis il y a un soufflet, je l'ai vu aussi, moi. Le... Ah, il y a un petit soufflet, ouais. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Est-ce qu'on va voir la madame Féline, au cas où elle nous apporte d'autres. Oui, ça se trouve. Oui, c'est ça, ça se trouve. C'est non, je crois que c'est en direct, Rick. Là, ça marche pas, ça. Ouais, moi j'essaie, oui. Sinon on va pas sortir. Madame Féline, donne-moi ta carte un instant. Je vais t'y indiquer quelques repères que j'ai pu. Discerner de loin, à présent que le pouvoir des dragons a tenu cette mauvaise brume, je crois que tu les trouveras dignes d'intérêt. Ah, tu vois comme quoi. Ah, il n'y a pas assez de production d'eau. C'est ça en fait, tu vois, ça coupe. Loin dans les autres, tu trouveras une vieille demeure et créatures que tu as fabriquées. Un autre. Ils vivaient autrefois. Ah, ça peut être intéressant. On trouve leur demeure abandonnée un peu partout dans cette région. Si tu veux en apprendre plus sur leur origine, ça pourrait être un bon début, bien que ces lieux semblent aussi périlleux qu'abominables. Ok, comment qu'on. Où ça ? Trouver la demeure sur la carte. Il y a une demeure. Non. Elle où la demeure ? On a plus d'eau, la serre elle est plus alimentée. Hein. Comment ? Bah faut pomper. Ouais, c'est pour ça, faut qu'on fasse une deuxième. Ouais, il va falloir remettre une pompe et ça va les distraire. Comment on va faire pour trouver cette fameuse. Oui, je vois Naruto. Cette demeure, normalement elle est censée avoir mis un point sur la map. Est-ce que vous voyez sur la map quelque chose ? Bah oui, à 1200 mètres. Ah oui, beaucoup plus bas en fait. Non mais en fait, tout en bas de la carte, il était pas le petit point tout en bas de la carte là. La petite île qui est tout au bout. La petite île ? Ouais. Tout en bas de la carte. Il y a une île qui est vraiment excentrée en fait. Ouais. Et je pense que c'est elle. C'est là dont on m'a parlé en fait, il a trouvé la demeure, je pense que c'est là-bas. Inconnu. Alors c'est vrai que nous on a fouillé tout le nord, hein. On n'a pas tout fouillé à 100% d'ailleurs. Je sais pas les îles qu'on a fait, qu'on n'a pas fait. Parce que là, Rick elle nous a fait un réseau de la mort, la SNCF, là, c'est un truc de fou. Bah si, tu sais ce qu'on a fait, ce qu'on a pas fait. C'est marqué est-ce, dessus. Est-ce que vous irez pas en fait, on irait pas vers le bas, tout en bas ? Oui, non mais je sais, mais ce que je veux dire c'est que ce qu'on a pas fait, c'est les îles on les a pas fouillées quoi. Ça se voit d'ailleurs, c'est que niveau d'invasion, niveau 8 la joie là, tu vois il est fini. En fait il nous reste deux îles au nord à faire en fait, plus une île au milieu mais bizarrement il n'y a pas de niveau d'invasion. Ouais, mais l'île tout au nord, j'étais en train de la faire tout à l'heure avant le raid. Mais on le voit le point, il y a un point d'exclamation à 1185 mètres, c'est ça ? Ah oui ? C'est là carrément. Qu'il faut aller. Bah je pense que c'est le point d'exclamation à 1185 mètres. Ouais, exact. Attends, je vais regarder si c'est la bonne direction. Ah, 1185 mètres, non, selon là où je suis, moi, mais bon. Ok, ouais, c'est ça. Bah en fait, ça vise bien en fait l'île qui est tout debout. Mi-pleur est en train de mourir de soif, lassitude. Bah je sais, c'est le problème. Pourquoi en plus les mettre en hibernation, quoi, c'est ça qui est dommage. Mais pourtant, ils ont à boire, je comprends pas, là. Et moi non plus, je comprends pas. T'es à côté d'une fois, il est là, mais pleure. Ouais, mais pas assez, ça produit pas assez. Bah oui, alors, mais... je sais pas s'il faut une deuxième pompe comme ça, là. Ouais, c'est quoi faudrait remettre une deuxième pompe, ouais, je pense. Dans le doute, en fait, il vaut mieux le faire. Et on mettra le jacuzzi dessus. Parce que, de temps en temps, tu vois, ça me met. Je sais pas si vous le voyez pas. Oula, la chaigneur, d'accord, ok, on peut les mettre à chaigneur. Merde. Électrique, alors ça, par contre, c'est nickel. Du coup, ça veut dire que c'est moi qui ai le niveau électrique de folie, hein. Ouais. Parfait. Peut-être passer électrique, quoi. Donc, avant que j'oublie, je recommence. Je pense que. Tu vois, t'entends une petite icône, pas d'eau. Deux gouttes barrées. Ouais. Alors, soit elles doivent pomper. Ah là, et ça y est, bah là, j'ai réussi à le remonter full vie, là. La bestiole. Ah oui, quand tu l'upgrades, forcément. Et en fait, ça ne change rien, en fait, niveau bouffe, niveau soif. Moi, je vois, c'est toujours pas bon. Hein. Je comprends pas, en fait, comment ça se fait qu'on fait les choses mal.
Alors que vraiment, putain, je suis désolé, tout ce qu'on a à la base, c'est pas possible. Ah oui, et je sais pas si vous avez vu, mais on peut avoir 3 attributs maintenant. On peut avoir 3 renforcements. Ah, ça vraiment, ça c'est cool. Toi. Ouais, j'ai brasier, électrique et vitesse. Maintenant. Ah, vitesse, mais ça pourrait être utile. Mais... Ah oui, vitesse d'attaque, ouais, c'est intéressant. C'est lequel qui a la vitesse? Vitesse d'attaque, c'est celui sur qui je suis. T'as un dégât de feu. Bah attends, là, je vais le soigner. Ouais, vitesse, c'est humette. C'est un gris avec 3 feuilles. Il est devant moi. Non mais c'est pas grave, j'ai pas prendre du vitesse, je vais prendre feu. Feu, dégâts de feu, dégâts électriques. Plus... Oh la vache, ah oui. Du coup mon arme elle est stylée. Hein. Mm. Électrique à feu là c'est... et j'avais quoi d'autre? Et l'autre c'est le pouvoir de l'eau. Mais c'est le pouvoir de l'eau, on a dit qu'on le gardait du coup. Non c'est pas ça. C'est pas ça qu'on a dit. Je sais plus. Attends, j'ai une idée toute conne. Est-ce que si j'en frappe une pour qu'elle aille s'endormir, c'est pas mieux? Non mais je déconne pas. Essayer. Parce qu'en fait, ce que j'ai peur, c'est qu'elle meure. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, tu peux aussi, regarde. Voilà, mon mignon. Hop. Moi, j'ai pas la solution violente. Yeah. Ça, voilà, regarde. Regarde, elle a toute sa vie. Non, c'est pas ça. Moi, je te parle de l'endormir pour éviter justement qu'on ait besoin de la nourrir, etc. Ah, mais sauf que du coup, on aura peut-être plus le pouvoir aussi si elle meurt. C'est ça le problème. Par contre, vous avez mis vachement de trucs dans le chaudron là, comment ça se fait que... Bah, pour qu'ils mangent et qu'ils boivent et puis... Bah ouais, mais visiblement, tu vois, boire, ils aiment pas quoi, c'est abusé quoi. Putain, fuck quoi, je comprends pas. Regardez, là, il y a plus d'eau, alors là, c'est qui pas d'eau. Ah, d'accord. Bah, oui, c'est si, c'est ce que j'ai compris, le système, en fait. Ah, c'est ça, comment ça marche c'est alors, et eh ben, par exemple, là, eau nécessaire... Tu vois, et... Maximum d'eau produite. Et en fait, on produit 5, et là, on tire 6. D'accord. Chacun tire 2. Donc il faut produire plus. Bah, faut donc en fait, ça, il faut déjà le retirer. Et c'est pour ça que t'as mis une pompe à eau. Voilà. Bah, c'est une pompe à eau, ça. Qui, elle, va produire... Alors, tu vois, il lui faut 10 en électricité, donc... Les chariots font... Enfin, les tapis font 5. Donc 5 et 5, 10. Maintenant, c'est bon. D'ailleurs, ils te mettent 2 petits points au début. Elle produit 10 en fait. Au maximum. Donc, 10 au maximum. La serre, elle consomme 1. Voilà. Donc ça, c'est bon. Le flipper, j'ai peur qu'il consomme de trop. Il consomme 3, donc là, ouais. Faut que je le mette ailleurs. Non, sinon on remet un tapis. Ouais, je sais pas si on peut faire ça. Non, mais je suis en train de reconfigurer, justement. Ah oui. Oui, vas-y. Moi j'ai pas tout compris ce qu'il est en train de faire parce que là j'ai pas compris le coup de passage de l'autre côté avec la deuxième pompe là. C'est pas clair pour moi, mais laissons-le faire, je pense qu'il a juste qu'il faut qu'il termine ce qu'il fait. Oui, ça qu'il a logique, compris le truc. Qu'on verra à la fin. Par contre, nous ce qu'on peut faire en attendant, peut-être, c'est aller farmer les autres îles. Ouais, yeah. Donc je vous inviterai déjà à faire des pierres de je sais pas quoi là, c'est des pierres de. Des heures là, des terres. Bah, déjà, on a des îles que Rick nous a reliées qu'on a pas encore fini. Oui, je sais, mais sauf que en fait, ça, pour nous, elles ont. Les plates, ça va nous mourir de la scissure. Et il va nous falloir aussi, de toute façon, un moulin pour être indépendant. Donc il nous faut au moins 3 plans, si vous pouvez trouver des plans. Ouais. Il faut quoi? Il faut 3 plans. Parce qu'il y a une petite batterie, ce qui nous permettrait du coup. Parce que maintenant qu'on a plein de circuits électriques, autant en profiter, quoi. J'ai des plans, moi. Ah oui, non, c'est possible plans, que j'en ai. Bon, bref. Ah, moins plans, que ça soit par personne. Non, c'est en commun, t'as raison. En commun, on est à 0 là. Ouais. Ce que je voulais, c'était ça. Non, par contre, j'ai des trucs à poser dans le coffre. D'ailleurs, je crois que j'ai récupéré encore des lumirocs. Ouais, j'en ai 2. Voilà. Pour utiliser. Encore ouais, des fragments. Moi, ce que j'aurais bien fait, c'était vraiment aller dans le sud en fait pour voir la demeure, en fait, pour avancer dans la quête. La petite batterie, c'est ça que tu veux? Ouais. On peut pas la crafter, on est à 0 plan. Ouais. Est-ce que du coup, enfin je vais poser la question, est-ce que en fait il faudrait pas qu'il y ait une ou deux personnes qui restent à la base et pour terminer ce que fait Rick là? Et qu'il y en ait une ou deux, comme moi par exemple, qui aillent au sud? Je propose ça en fait, c'est histoire d'optimiser parce que je pense que plus on rame aussi, bah plus en fait on va consommer les ressources et moins on aura pour nos dragors. Ouais. Donc faut mieux qu'on avance pour aller en chercher d'autres. Hein. Sinon, encore une fois, on n'aura plus rien. Voilà, c'est pour ça que je pense à ça.
Parce que je sais que Rick là il optimise bien son truc, j'ai fait confiance, il a l'air d'être chaud là, donc c'est que ça doit être bien fait. Mais je pense que bah, moi je fais rien par exemple, c'est pour ça que je dis ça. Après sinon j'y vais tout seul au pire. Hein, ouais bah va donc au Néant. Moi ça me dérange pas. Non, c'est où tu peux aller. Au sud en fait, bah, j'aurais commencé à ouais, aller voir dans la demeure là. Eh ben bah, allez hop, on va aller au sud. Par contre, est-ce que vous avez des pierres d'éther? Oh là. Ah mais non, mais c'est au nord que... Y a non, faut aller finir de farmer au nord, là. Mais, bah oui. Mais le truc, c'est que en fait, on a une quête qui nous dit d'aller au sud. On va tous j'en au, neuf, au sud après, j'en là. J'en ai 9. Bah ok, bah dans ce cas-là, on va tous au nord. Je proposais ça, c'est... Non, non, mais on ira... Une fois qu'il est fini, on ira tous au sud. Okay, bah, allons au nord. Allons au nord. Ouais. Tu vas jusqu'au bout du fil. Tout au nord. Alors, je... Ouais, par contre, il y a un virage, à un moment donné, faut partir... Il y a des virages bien tendus, là. À gauche, tout... Non, gauche, non. Bah, tu m'as dit à gauche, non, faut pas gauche. Prendre à gauche là. Vas-y. Faut pas au nord. Non, à droite ouais, tout non, le mais temps. Il y en a deux, il y a deux îles pour info. Mais il a raison, il y a deux îles. Il y a une île en fait au. Il y a une île tout au nord et une île en fait un peu au nord à gauche. Donc celle-là il faut la faire aussi. Mais celle-là presque finie, c'est moi qui m'en occupais, il reste le niveau d'invasion de 9. Ça s'est remis d'ailleurs pour info, c'était que 8 tout à l'heure. Donc en fait quand on les termine pas après, c'est, tu vois, elles se régènent. Et là il y a des boss et tout, là c'était un peu la même merde. Là, ah, j'utilise le flingue, c'est un petit peu rapide. C'est le mimi, c'est le rara. C'est la merde. C'est le miracle. J'ai eu un Eye of the Tiger. J'adore quand je fais du tir. Et là, on a un deuxième phare. Alors, oh, du ting, mec. Le phare faisait quoi déjà dans le premier? Je me souviens plus. C'est juste pour voir. Enfin, le phare, monde. C'était une vidéo. Il faisait J'ai toujours pas compris. Phare. Phara. Si vous parlez tous en même temps, c'est compliqué, mais j'ai toujours pas compris. Phara. Il faisait Phara. Phara. Non, mais d'accord, mais c'est pourri en fait ce que tu viens de dire. Non. Non, il y a mon pseudo dedans, ça va pas être pourri. Le chef de nous. Parce que je trouvais justement que c'était bien pourri. Ah non, le chef c'est le chauve. Ah oui. Le chef de nous. Le chef c'est le chauve. Ah oui, le chef c'est le chauve. Et sinon, votre chef c'est le chauve. Ah non, c'est moi. T'as pas vu le film, Gazu? J'ai compris que la moitié, mais j'ai pas dû voir effectivement la référence. Oh putain, il y a un truc à péter là, c'est quoi ça? Bah, c'est vrai. Oula, jade poulie, il y a un trésor tout en haut du phare. Bravo. Allez, j'observe. Alors, je viens de remarquer un truc, le jacuzzi, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Hein. Ah bon? Vous verrez, mais c'est avec des sèches-cheveux. Merde. Qui font des bulles. Ouais, ça sent le court-circuit, ça encore. Oui. Et puis ça chauffe. Hein. François. Ok, alors Gernel, il vient de regarder et il s'est enterré. Bon. Rien sur le phare. Ok. On a été tout fouillé ici. Ah, il y en a un qui est en train de mourir de lassitude. Je pense que. Oui. C'est lequel? Je suis tous en train de m'occuper. Néplet, il est où? Néplet, il est là. Bah oui, il est surtout tombé du muret. Regarde, il y a le visage un peu écrasé, c'est juste qu'elle est plate. Soigner le Dragor. Oh putain. Dragor en hibernation trop. Ah non, plus je le soigne, plus il va mal. Non, faut faire 2-3 fois. Ah ça y est, 99 là, c'est la vie. Mmh. Je le refais encore. Parce qu'il est passé de 14 à 13, puis 99. Bon, ça redescend, mais c'est bon. Tu trouves des trucs, Gadu? Rien. Déjà, il faudrait libérer, parce qu'il nous reste 4 à libérer sur cette île. Il reste 4 ronces. Ouais, 4 ronces. Oh là, attends, je suis tombé. La joie remonte là. Ah oui, exact. Ah oui, avec un jacuzzi. Impeccable. Ils vont pouvoir faire des bulles dans l'eau. Moi aussi, je sais faire des bulles. Mais c'est ce que j'allais dire. Mon temps, moi, je les ai tout seul, les bulles. Oui. Donc il y a ça. Je trouve plus les autres ronces. Moi non plus, je trouve pas. Attends, il y a un bateau là, il y a un petit bateau. Ah oui, il y en a plein, c'est là, c'est tout là. Ah oui, effectivement, il y en a 4, je pense que c'est là. Ouais, c'est ça. Petit bateau. Il y a rien dans le petit bateau là. Petit bateau. Oula, c'est quoi cet écho là? Ah, c'est Farah qui fait de l'écho. Écho. Ah, pleine pile. Impeccable. Bah, vous pouvez aller sur. On trouve une casquette, ok. Ça, c'est fait. Donc, en fait, on a terminé cette île-là. Il nous reste l'île du milieu, bizarrement. L'île du milieu. Ah, il y a ça, là. Ferme des Smith, c'est ça? Bah, il est déjà fini aussi. Donc, il reste l'île tout en haut maintenant. Donc, effectivement, il faut rejoindre Newt.
Et il reste plus énormément dessus. Ouais, mais c'est comme vous, hein, ce qui m'embête, c'est juste de trouver où elles sont. Non, mais je sais bien, j'ai bien. Donc là, on remonte dessus et on va à gauche, là. Attends, je t'ai pas vu partir, t'es parti par où, là? Bah, je suis parti là où on était, juste à côté, là. Bah, je suis parti, j'ai quitté l'île, en fait, hein, avec le surf, là. J'ai pas vu le truc que t'as pris, en fait. Bah, il y en a qu'un. Et t'es juste à côté, hein. On voit pourquoi t'es parti super loin, t'es juste à côté. Ah non, je suis juste à côté. Bah, si. Alors là, sur la carte. Ah, sur la carte. T'es... Ah ouais, c'est ce que je fais. Ah non, t'es pas bon, c'est pas bon endroit. C'est par là, voilà. Et là, tu vas à gauche. Tu vas à gauche. Voilà, à celle-là, tu vas à gauche. Et à la suivante, après, là où il y aura une intersection, tu iras à droite. Mais en fait, je pense que par défaut, il va prendre celle de droite, parce que celle de gauche est plus loin. Enfin, je suis pas sûr. Bon, bref, vise vers la droite. Et après, là, on est là. Ça y est. Il n'y a pas de note ici, il n'y a rien à chercher? Yout. Je sais pas. Je vois rien sur le plan, je suppose qu'il n'y a rien. Normalement, ça apparaît quand on y va. Là, je suppose que toutes les ressources des camions, etc., ont été vidées. Hein. Je pense que là, c'est fini. Ouais, c'est à zéro. Donc, on pourrait ramasser tous les câbles. Et autant les laisser, parce que de toute façon, si on change de monde, on va tous se ramasser. Ah, bah. Pour info. Il y a une grosse plante au milieu. Oui, alors, déjà, il y a une grosse plante. Et en plus, il y a un camion que Rick n'a pas alimenté. Ah bah moi on me l'a pas signalé. Non mais tout à fait. Non, je l'ai découvert juste il y a... J'ai ce qu'il faut pour le relier, je m'en occupe. Ah bah si t'as là, voilà, relie-le, ouais, comme ça, nous avec... Oula, j'ai ramassé une pagaie. Alors, Pagaie sur cette bière le... Pagaie 189, oh, putain. Quand même. Et j'ai un arc 330 aussi, Tiafara. C'est toi qui dis que t'avais un arc. 330. Ouais. J'irai poser ça, le problème c'est que, clairement, ma raquette de bizutage, là, bah est en train de mourir. C'est ça qui m'embête, donc je vais pas pouvoir lui... Attends, j'ai la pagaie, c'est pas la pagaie que je veux. C'est là. C'est relié. Ok, nickel. Donc ça, on va ramasser encore un petit peu. Il y a un boss, là, je rejoins Yout. Non, il me baissait à la droite. J'ai Yout. Voilà. Ah, il est ça, ça envoie, ça va envoyer 23 trucs électroniques, là. Ça envoie des écrans d'ordinateur. Oui. C'est énorme. Et voilà. Plus que 1. Ouais, c'est bon. C'est bon, ok, donc là on a tout fait. Juste vérifier qu'il reste pas, tu sais, une ou deux plantes, machin, parce que pour nos bestioles, ce serait bien. Et effectivement. Non, il n'y a pas de plantes ici, je crois pas. Hein. Non, il n'y a rien, mais faut. Bah, moi je fais un petit tour. J'ai bien fait le tour. Hein. Bah, c'était bien fait le tour déjà, bah. C'est que c'est bon. Du coup, on s'arrache. Farah. Peut-être rester des armes à droite à gauche. Il faut s'arracher. Ouais. Bah, moi j'ai regardé vite fait, mais c'est vrai que cette île-là est un peu vide en fait. Bah, il y a les écrans de PC qui passent, t'as vu? Ah, j'ai pas encore vu justement, mais j'en remonte. En fait, ici il y avait un niveau d'éther de 32, oui, je crois. Effectivement, je le vois. Ah, ouais, quand même, une belle île, quoi. Ouais. Une belle île! Belle île! Eh ben, ce que je vous propose, c'est de regarder. Si vous regardez en haut à droite de votre écran, ouais. Red dans 8 minutes 40. Non, au-dessus. Merde, non, j'ai pas vu le coup du raid. Au-dessus, bah la gaieté et la soif remontent. Oui. Mais il n'y a pas d'unité, hein, c'est toujours à zéro en fait. C'est ça qui m'embête, moi. Bah, ça, c'est pas gênant, ça, ouais. Il te l'indique jamais en fait. Ah, si, d'habitude, si. Ah, si, d'habitude, la ah, gaieté. Non, avec la bouffe. Avec la bouffe qu'ils ont indiqué, il reste 25. Ah, non, la boisson, je suis sûr que moi j'ai déjà vu, je suis garanti. Oui, la boisson aussi, ouais. Moi j'ai vu. Oui, parce que c'était des jus. Ah, peut-être. C'est pas con. Bah, c'est oui. Possible. Ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas un encore? Oh putain! Ça remonte, mais ça consomme au fur et à mesure. Mais... Il y a des bestioles qui réapparaissent de temps en temps, en fait, comment c'est possible ça? Tiens, on est quoi ma gueule en plus. Hein. Bestioles, ouais, qui réapparaissent maintenant. Ah, je prends très très cher, je peux te dire, ma vie. Okay. Ah, tiens, j'ai cassé ouais. D'ailleurs ma. Tiens, j'ai cassé ma. Ça y est. Il faut parer, Galu. Il faut parer. Ouais, non, t'as raison. Moi, c'est pas grave, au pire, ma vie, c'est pas grave. Mais... Moi, je pensais vraiment en fait aller plus loin en fait pour. Pour poursuivre dans le sud là, on peut faire deux choses. Soit en fait on attend le raid, soit on y va avant, mais ça va falloir speeder. Ce qui est peut-être un peu con. Ou soit en fait on se fait une ellipse, le temps qu'il y a le raid, dès qu'il y a le raid en fait on se barre et puis on se reprend pour aller faire donc les quêtes du sud pour trouver c'est la demeure c'est pas mal, raid, qui est la quête principale. Vous pouvez faire ça? Ouais. Et bien dans ce cas là on se fait une ellipse et puis on se reprend bah, probablement dans une petite dizaine de minutes dès qu'on aura fini le raid. Allez ellipse. Allez.
Voilà, on se reprend. Alors, du coup, il y a eu quelques petites choses qui ont changé. Alors, principalement, pour vous, les viewers, hein, c'est le plus important. On avait dit qu'on se laissait parce qu'on voulait aller dans la demeure qui est tout en bas. On a mis des... Enfin, Rick a mis le réseau NCCF jusqu'à la gorge du trépassé. Donc, il nous manque une île et après, on y est. Donc, on va la faire ensemble. Et puis, on devait aussi aller chercher la Dragor. On a préféré le faire avec vous, les viewers. On est gentils, hein, parce que Farah, il voulait. Hein. Oh, les mythos ! Si, c'est vrai. T'as déjà les cristaux sur toi pour lui donner. J'ai tout. J'ai, voilà. J'ai, donc, pourquoi t'as envie. Oui. Donc, tout. On va y aller en premier. On va revenir après. Parce que le réseau, vous avez vu que c'est la merde en fait à se retrouver. Et après, on ira là et on traversera en fait à pied. Ici. Voilà. Tout simplement. Rick, tu passes devant. Tu connais la route. Ouais. Vous voyez Garmelin, je suis en train de construire là le moulin. Mais là, c'est pas par là. Mais non, c'est pas par là. Non, mais Farah, on peut y aller tous les deux. Farah, c'est tout simple, c'est droite. Je suis en train de construire les moulins de ton cœur. C'est que à droite qu'on doit aller, Farah, donc cherche pas, suis-moi. Tous les moulins de mon cœur. Et c'est après qu'on reviendra que tu me suivras si tu veux, d'accord? Ok. Moi je te montrerai, je vais retenir le trajet. Pour le moment, c'est très vieille, très vieille chanson. Comment, de quoi? Tous les moulins de mon cœur. Tous les moulins de mon cœur. C'est pas ça? Non, hop. C'est tous les garçons et les filles des voilages, mais bon, c'est pas grave. C'est presque ça, on va dire. Oui, c'est presque ça. Hein. Un peu de choses près. Voilà, donc là, normalement, on est sur la bonne île, Farah. Ouais, une vache confirme, on est sur la bonne île. Oui, il est là, bah oui, il est là, regarde, il est ici. Alors, par contre, il y a un plan au-dessus. Oh, attends, il y a du monde là. Il y a un ennemi là. Ah, c'est bon, tiens, tire les cochers sur toi. Tu veux aller chercher au-dessus là le... Eh non, on peut pas. On a pas réussi avec Yus. D'accord, donc c'est clairement bugué. Bon, ok. Non, allez. il faut mettre un slide. J'ai réveillé le dragon. Si je peux prendre aussi un peu de vie, parce que là je suis mal, enfin j'ai perdu en fait la moitié de ma vie. Ah mais il est tout petit. Oui, c'est un bébé. Voilà. Et ben je te le laisse, si tu veux essayer de le régénérer. Ah oui, il te faut être vivant, toi. Il y a voir tonton. T'as tout sur toi. Ah ouais, il y a des chances. Mais non, tonton, il pue de la boue. Alors on va voir combien tu peux monter. Ah bah non, il m'en manque juste une pour que je puisse pouvoir le monter déjà. Ah, de niveau 1 à niveau 2. Ouais. À ce niveau-là, il m'en manque une. Attends, il te faut quoi, Farah? Parce que je viens de déposer des pierres dans le... J'en sais rien. Il fallait pas le jeter, me le donner à moi. Voilà. Alors, Yut arrive en même temps. On n'a pas jeté. Pour Farah. Je suis à côté de lui. Hein. La prochaine, c'est droite. Donc droite, droite, gauche. Droite. Ah bah, il a disparu. Gauche. Bah, il est revenu à la base. Donc, il faut aller à droite, droite, gauche. Pardon. Pour revenir. Mais c'est pas grave, on ira après, Farah, t'inquiète pas. Donc droite, droite, gauche pour faire l'île et pour avancer. Droite, droite, droite. C'est le réseau là, c'est vrai que bah on est obligé de suivre les camions, c'est pour ça qu'on a un réseau comme ça pour les viewers. Au cas où vous avez pas compris, sachez pas pourquoi il veut pas le prendre du premier coup ça. Droite. Mais non ! Droite. T'as fait demi-tour, pourquoi t'as fait demi-tour ? Pourquoi t'as fait demi-tour ? Ah putain, mais c'est pas possible, pardon. Les gauches. Désolé. Voilà. Mais non, mais il veut pas me faire prendre le bon truc. J'ai beau diriger par l'endroit où je veux aller. Et voilà. Et donc là, en fait, on arrive à l'avant-dernière île. Alors, est-ce que vous êtes tous avec nous, par contre? Non, pas encore, là. Je suis en train de finir le renouvellement du camp, et ouais. J'arrive. Alors, ceci dit... Si tu peux juste attendre deux petites minutes, ouais, là, le temps qu'ils construisent. Ouais. Alors, de toute façon, c'est pas plus mal, parce qu'en même temps, j'ai parlé un petit peu de ce qui a évolué, en fait, qu'ils n'ont pas vu en vidéo. Et notamment les armes que j'ai sur moi. Parce que ça, en fait, c'est plutôt stylé. Ah oui, les tiers et tout ça. Ouais, parce que là, en fait, là, ouais, j'ai carrément upgradé. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. C'était mon inventaire. Donc déjà j'ai un pistolet à clous qui donne 667... Un pistolet à clous. Ah. Un pistolet à clous. J'ai mal dit? Ah oui, j'ai mal prononcé. J'ai peut-être mâché mes mots. Tenez un petit peu tard, alors on faisait vidéo. Il y a ta langue qui a chauffé. Donc, DPS moyen 667, le pistolet à clous. C'est pas mal. Donc il est niveau, vous avez vu, violet. Violet c'est respectable. Il y a du beau pistolet. Donc respectable, je pense que c'est en fait, on est que à la moitié, hein, niveau violet. J'ai aussi une guitare électrique niveau 343. Violet aussi. Donc c'est pas mal, mais au-dessus il y a la crosse et le marteau là. Enfin, marteau, je pense. C'était pas encore plus fort. Le marteau il fait mal, ouais. Et après le reste, c'est ce que j'ai ramassé sur les arbres. Ça, on s'en fout. Par contre, ça il me le faut pour passer, je vous rappelle, les égides hein, des terres. C'est pour passer en fait tout en bas. Là. Passer en fait la dernière île. Voilà. Bien, du coup, on va se diriger peut-être sur le bord. En attendant que. Reconnaît arrive. Une fois sur le réseau. On ouf, va un réseau. Ça y est, tout est branché. Ok, et donc pendant ce temps, alors la galère, hein, je sais pas si vous l'avez trop remarqué pendant l'épisode ou pas, mais en tout cas hors vidéo c'était sûr. C'était vraiment en fait d'amener la flotte et la bouffe en fait à nos bestioles. Sachant que la bouffe là on est mal. Hein.
Là, on est mal. Bah, le problème, c'est que si on met trop de temps en fait à améliorer l'eau, et ben du coup, c'est la bouffe qui rame. Putain, j'ai pas vu ça. Ah, par contre, j'ai pas de clous sur moi, donc je sais pas. Si, j'en ai en fait. J'avais pas vu en fait que j'en avais, mais en fait, j'ai niqué les 12 en fait. Ça mitraille pas mal les clous. Oui, les clous, c'est pas mal, ouais. Donc, j'ai resté avec ça parce que mon trombon était niveau 1, enfin, était niveau tier 1. Donc là, on est tier 4, quoi, donc. Là, on attend Ricky Yout. C'est ça. Ouais. Après, s'ils ont un petit truc, on peut déjà démarrer maintenant, Farah. On commence à la nettoyer. Hein. Vous avez des gîtes d'intervention ? Ouais, moi j'en ai, mais il vaut mieux les attendre. Moi, je pars jamais sans. Non, mais c'est sans gagner du temps, parce que je ne voudrais pas refaire un ellipse encore une fois. C'est pour ça que je dis ça. Ils sont sur la route ou pas, les deux là ? J'arrive. Vous êtes loin ? Non, moi je suis déjà là. Hein. Voilà, regardez. Yout est déjà là. Yout est là, et Rick. Ah, on le suit, Rick. Alors, Rick, c'est à gauche maintenant. Après, c'est à droite. Mais te connaissant, je suis sûr que t'as regardé avant. Même pas. C'est à droite. Non, ah oui, c'est à droite, t'as pas regardé, tu t'es trompé. À gauche maintenant, à gauche. Voilà, nickel. Et là, c'est à gauche. Et là, c'est à droite. Non, c'est à gauche. À droite. Écoute pas Farah, il fait chier. De toute façon, vous êtes à gauche. Pour info, les deux dragons, j'irai pas les chercher ici. Ben non. Ah, oui. Pourtant, j'avais appuyé à gauche. Oui, non, ce que je dis, ça arrive. Je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, ça arrive. Là, il y a deux dragons qu'on ira peut-être pas chercher maintenant. Parce qu'on en a vraiment trop. Le problème, c'est que plus on en a, plus il faut les nourrir aussi. Ouais. Mais tu sauras que Farah, Rick et Yout, c'est inséparable. Hein. C'est comme le cœur, la tête et les bras. Oui, voilà. Est-ce que, alors, puisqu'on y est après, aussi... On dira pas Rick fait la tête. Ouais, c'est la tête et, Rick, et c'est Rick qui fait la tête parce qu'il est chaud. Est-ce qu'on peut, à part ça, je vous interromps, mais est-ce qu'on peut mettre 4 bonus ? Non ? 4 bonus ? Non, 3. Ça va pas augmenter, je pense. Non, faut qu'on monte notre camp un peu plus avant de... Ah là, on a l'électricité. Le camp, il doit être 8 ou 9. Quand... T'expliquais la vidéo précédente comment faire. Oui, je sais, mais c'est ce que j'ai oublié. Le camp, il est 8. Bah, tu iras voir la vidéo précédente. C'est du camp, c'est ça. C'est du camp niveau 8, tout à fait. Là, je me rappelle. Tu iras voir la vidéo précédente, tu sauras. Alors, et donc là, moi, il me reste 12. Péter la gueule! Alors, Rick, tu t'arrêteras à boire. Non, mais tu sais ce qu'il est en train de faire? On s'en fout. Tu sais ce qu'il est en train de faire, ce faillot? Il est en train de nous ramener le slide. Ah, non, mais d'un côté, c'est bien parce qu'on rentrera plus vite. Mais c'est parti. Go, monsieur. Par contre, si jamais vous trouvez une arme, c'est pour moi parce que là, en fait, je viens de voir que mon arme elle est presque niquée. Je crois que Rick ne suit pas. Hein. C'est vrai? Ouais, ils sont belles. Ah merde, ah ben, il est en train de poser en fait. Ah, il slide lui, son truc. D'accord, ok. Oh là, il y a du monde. C'est pas grave. Donc, faut servir pour l'instant, ce que je disais. Attends, par contre, oui, j'ai vu qu'il y a ça un peu. Toi, tu dégages. Alors, j'ai vous avez entendu et... Bateau super bien fait. Oui, Yout. Si jamais on trouve une arme de corps à corps, je prends parce que elle est pétée et j'en ai pas d'autre. Ok, ça marche, bah. Je regarderai. Ah putain, je suis en train de mourir. Et j'ai trouvé une faucille, donc normalement, ça devrait. Ah. Et là, moi j'ai trouvé plein de graines, hein. Heureusement parce qu'on a besoin pour nos plantes. Pour les nourrir, c'est hyper bien. Ouais, là, j'ai trouvé une faux au cas où, non, ça ira. En fait, c'est vraiment. C'est écolo ce jeu, quoi. Rick, t'arrêtes pas en si bon chemin, il y a un camion de l'autre côté. Hein. Il y a des camions de l'autre côté. Alors attends, moi je vais essayer de poser là. Ouais, j'ai pas trop traversé comme il a fait Yout là. Passer du ouais, tranquille. De toute façon, faut bien passer quelque part. Hein. Large. Non, comment tu disais, c'était... Crème. Chauve. Ça passe crème. Alors du coup, il y a de l'autre côté. Ah oui, ok. Peut-être même l'avoir. Ça me fait chier quand le chien il crache son truc là. T'es collé à lui, t'es prêt à lui mettre un coup et paf, il te dégage. Et après, il fait encore évidemment. Et bah là, tu mets le bouclier. Ouais, non, c'est non. Non, moi je suis prêt à sauter si. En fait pour lui mettre un mais coup si. Dans sa gueule. Mets le bouclier comme ça. Oui, mais moi je saute pour lui mettre un coup dans sa tronche. Oh. Tu peux pas. Et bah tu apprendras que les loups ils vont jamais attaquer le premier. Il y a encore un dragon. Il y a un dragon. Merde. Un galu. Oui, j'entends. Dans un peu près tous les jeux. On va peut-être manquer de lit, non?
C'est ça. Tu viens voir le dragor que c'est. Attends, si je dis pas de conneries, Farah il a dû crafter. Il y a 3 lits superposés, enfin 3 fois 3 lits, plus 2 lits, c'est ça. Et Farah, je vais te donner toutes les pierres que j'ai sur moi. Ouais, bon, on a cette. Par contre, ils sont. Regroupons-nous et lâchez-moi les pierres, les gars. À côté de la dragor. Enfin, du dragor. Je cherche, voilà, si, ok. Donc j'ai réveillé la dragor en attendant d'ailleurs. Jetez-moi vos pierres avant. Tiens. Gadu, jette les pierres avant. J'en ai pas. Tiens ma poule. J'arrive, j'en ai pas. Ça c'est du Lumirock, non c'est pas ça. Ah si, j'en ai une. C'est la GZ là. Et j'en... Enfin, non, j'en ai deux en fait. Excuse-moi. Donc, c'est fait. Il a réserve à pierre. 3, tiens même. je crois que j'en ai plus. Ouais. Oui. Bah, ça c'est pour toi. Merde, j'ai ramassé juste. Normalement, ça doit te servir. Hein. Okay. Ah, carrément. Merci Yut. Encore augmenté. Oh, il est joli. Il est bleu, gars du gaming. Je peux fabriquer 22. Oh, il y a des nouveaux objets encore. Encore des nouveaux objets. Au niveau de combat, là, on manque plus vraiment de rien. Là. Ah, zut, il me manque encore. Il manque juste une pierre de lune. Tout, là. J'ai vu un avion. J'ai vu un avion. Il manque juste une pierre de lune pour faire évoluer. Vous rembobinerez les viewers. Ziflez. Ouais. Résistant à laser. Oh, elle est intéressant sur la, ça. Sur la colline. Ouais. Et résistant à quoi? Comment? À laser. Et il y a un truc de chaleur. Ça, c'est bizarre, ça sent l'hiver, ça. Ouais, résistant à l'éther, mais à quel... À 100% ou... Au degré, ah bah, ça, t'as raté ta blague. Laisse tomber la blague, c'est l'alcool qui est... Quelqu'un me ranime ou je marche? J'ai pas de pote d'aller. Okay, j'arrive. Non, c'est bon. Il y a des panneaux solaires pour info. Bon, bref, c'est pas le sujet. On va poursuivre. Allons chercher la demeure. La fameuse demeure. La demeure, elle est. Bah, il faut aller tout droit. Non, parce que j'ai pris l'habitude que Rick, il mette des chemins partout, du coup. Attends, on n'y est pas, nous. Hein. Ouais, mais attendez, vous allez pas faire un trajet jusqu'à la demeure, les mecs, là. Y'a un boss vers vous, Rick. Attendez, moi j'ai le laser dessus, je m'en fous. Bah, de toute façon, après, on va les récupérer, donc. Oui, c'est vrai, mais le problème c'est que, on traverse avec ça, on revient après, fini. C'est ça que je voulais faire, moi en fait. Oui. J'en ai 12. T'as vu mon tromblon, Gadu? Oui, effectivement. T'as vu ma guitare électrique en feu? T'es loin quand même. Ma guitare électrique et en feu. Ouais, mais le tromblon il fait 875 de dégâts. Alors, comment je OS tout. Comment vous faites d'ailleurs pour. Pourquoi vous avez fait deux chemins? Non, t'inquiète. Ok. T'inquiète, on t'expliquera. Alors, je sais pas comment vous faites pour passer de l'un à l'autre. En fait, c'est vous prenez de la vitesse, vous sautez et puis vous plantez le truc comme ça à l'arrache. Ouais. Putain, on n'est pas rendu. Non, regarde, c'est Eric qui marche dans les terres. Ah, il y a encore un boss. Ouais, alors là, il faut une arme. Attends, il arrive sur vous. Mais oui, on peut aller l'aider, nous. C'est con. Bah oui, non, mais moi je peux pas tirer moi de loin, Yut. Ah bon, on va avancer alors, tiens. Oh. Puis moi j'arrive plus à remonter, là. Faut que j'aille sur un camion. C'est trop bon. Je continue. Dis quand ça s'arrête. 4, 3, 2, 1, stop. Oh putain. Pourquoi il y a un trou là? On peut raccorder? On continue. Interagir pour y aller ou pas? Pour relier. Interagir et après tu relis, ouais. Okay. Attention, il y a un monstre qui arrive vers vous. Oui, exact. Attention, un petit chien, il est là. Tiens, que je vais en claquer un, Farah. Attends, je vais m'occuper de ce qu'il pose, moi je m'occupe de claquer. J'ai mis. Vas-y. Ok, on y retourne. Oh. Non mais pourquoi on traverse juste pas en fait? Parce que là, vous êtes. Vas-y, go. Ah merde. Vous, là vous cramez aucune égide en faisant ça. Si, on crame. Là, vu la vitesse du. Là, vu l'éloignement du con, Tu viens de te chercher, c'est bon. Non, mais tu peux y aller parce qu'en fait, là, il y aura 6 secondes, donc ça va arranger que tu es bon. Tu viens. Tu vas mourir dans les terres. Non, pas du tout, regarde. Il me reste une seconde, tu vois, hop, je suis bon.
J'ai pris un peu de marche. Donc, moi j'ai appris à faire confiance à mes mates, moi. Où est cette demeure? Ouais. La roue est pas assez grosse? Oh, la grosse roue. Attends, vous avez les ennemis déjà habités là avant. La grosse roue. Comme ça, c'est pas avoir les ennemis. Et si nous emmerde. On va déjà nettoyer. Ouais, c'est ça. Il bah, y a de quoi nettoyer en plus. Ouais. Je pense qu'il faut nettoyer justement réellement. Hein. C'est pas. C'est pas parce que c'est bien de le faire. C'est... Sinon, on va continuer, je pense. D'ailleurs, là, sur tout le passage, en fait, il y a que de. Il y a que des ronces. Mais je pense qu'il faut d'abord nettoyer autour parce que là, en fait, c'est pour ça que les ronces, en fait, elles font encore le. Il reste combien de niveaux à 12? Il reste pas 12 ronces avant la maison. Enfin, faut voir. Eh si, mais si, putain, c'est pas les côtés. Oula, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y avait là? C'est les trésors cachés. Et là, je vois qu'il y avait du lumiroc, il y a des pierres aussi par terre. Tout... Il y a plein de pierres non ramassées. Ouais, attends, on va les ramasser. Peut-être faire vraiment un peu tour de la maison. Disparaître, juste... On va pas en fait, non, maintenant, enfin, on va juste nettoyer d'abord nickel, pour être sûr. Vous me jetterez vos pierres, hein, au cas où. Ouais, oui, mais tu les as pas ramassées. Ouais, il reste mais... une. Il peut pas être, hein. Il reste au four. Une seule. Il peut être au four et au moulin, hein. Je sais pas où est la dernière, Farah. Non. Et tu sais pourquoi on peut pas être au four et au moulin? Hein? Parce qu'ils sont pas au même endroit. Non, non, non. Non, mais clairement, clairement, ils sont pas au même endroit. Bah oui, non, c'est, bah, c'est pour ça qu'on dit. Humette est en train de mourir de faim. Ouais. Humette, bah va manger, connard. Pardon. On veut pas lui en envoyer là. Son prénom c'est Al, non? Allumette. Oui. Putain. Vous pardonnerez les blagues à la con de Farah, hein, parce que Farah il fait que des blagues de merde. Ah, sur le toit la dernière, elle est sur le toit. Très souvent il fait. Il meurt de lassitude l'autre. Alors que tout le monde s'amuse. C'est bon, il est allé faire de la balançoire. Voilà, c'est bon. Bon. Là, faut monter, je pensais sur le côté. Ils sont tous en train de mourir de faim. Ah ouais. Ouvrir les portes, alors on y retourne. Attends, moi j'y retourne du moins. Non, on peut pas laisser nos bestioles, regarde, il y en a 5, 4. Il y a 3 épisodes, tu nous as dit, ouais, ils sont en train de mourir, je suis triste, moi là. Non mais attendez, juste, on doit juste trouver la demeure, on est devant, on va pas se barrer alors qu'on est devant. Si, mais... si. Ah si, les animaux c'est la priorité. Bah oui. Bon, bah, on se ellipse du coup, on est fini. On se ellipse, donc qu'on fasse ça et qu'on revienne. Ouais, ok, bah ellipse. Ah ouais. Voilà, on se reprend, alors du coup, en fait on est revenu en fait de la maison, on les a nourris, il reste plus que... Là qu'il faut pas se mettre, c'est ça? Il y a un raid dans 5 minutes. Bah non, j'ai bougé la caméra en fait, c'est juste devant moi mais c'est pas grave. Du coup on va ouvrir les portes. En espérant que ce soit pas un gros. Un maxi boss. Oh, bah il est là-haut. C'est un maxi boss. Non, c'est pas un maxi boss. Ça. Bah, c'est The Boss. Toujours le même. On l'a déjà affronté tout à l'heure. Et ben, je crois qu'il est plus gros. Ouais. Parce que pour les viewers, on l'a de nouveau affronté. Oui, en vidéo. On n'a pas eu le temps de le vivre. Pendant un raid, ouais. C'est juste pendant l'ellipse. Précédent. En fait. Parce qu'on a dû faire deux ellipses dans cette vidéo en fait. Ah bah c'est fini, ellipses. Et il y a un truc là, Gadu. Allez chercher le petit coffre. Où il y a le point d'exclamation. Alors. Là, bah en bas. Non, je crois qu'il faut passer par en haut en fait. Étudier. Ouais, c'est ça. Maintenir, étudier. Oula. Ah. Oh. Ah, il y a les comptes. C'est quoi, c'est un coffre sur le coin. Oh, le tout sur l'animation. Un sac poubelle. Ouais. Un sac poubelle jetable. Attends, Sarah de message. Oh. Mon nuit n'est plus ce qu'elle n'était et pendant l'une de mes expériences, ils ont réussi à me capturer. Les exécuteurs. J'ai peiné à les reconnaître. Ces hommes qui me maîtrisaient tant dans mon ancienne vie, dans mon monde d'origine. Je peux voir qu'ils me vouent une haine intense, mais ils ont perdu l'usage de la parole et de la pensée et je profite donc du fait qu'ils aient oublié toutes les manières du monde civilisé pour rédiger ceci. Si mon savoir doit périr ici avec moi, dans cette cage, avant que je puisse accomplir ma mission, j'espère que celui ou celle qui trouvera ce message utilisera son contenu pour les vaincre. Oui, effectivement, ça peut être pas mal. Grâce à mes recherches, j'ai découvert que les exécuteurs utilisent le pouvoir de la pierre miroir, une gemme ancienne qui regorge d'énergie magique. J'ai caché une graine dans ma vieille demeure, loin à l'ouest d'ici encore. Ah bon, c'est la clé qui permettra de les vaincre, le pouvoir qui détruira la pierre. Retrouvez-la vite et prenez-la. Alors, on doit aller encore à l'ouest. Est-ce que tu penses que du coup
l'exécuteur qu'on croise à chaque fois, ça serait Mason. Ah non, ah, je pense que ça n'a rien à voir. Non. Parce qu'elle a dit qu'il me persécutait dans mon ancienne vie. Alors... Attendez, moi c'est pas comme ça que je le vois. Pour moi, Mason, c'est le mec dans le monde réel. Oui. Et Sarah, elle est ici. Oui, mais il a réussi à passer grâce à la pierre miroir. Il l'utilise d'ailleurs pour. S'il faut se dépêcher à rentrer, parce que là, la suite de la quête, c'est parler à Dame Féline, on ferait mieux d'y aller parce que dans 3 minutes 46, il y a un raid. On est là. Et ils sont en train de mourir de faim. On va faire ça, mais peut-être que du coup, on va peut-être activer cette quête quand même pour savoir ce qu'on a à faire. Il y en a qui meurent de faim. Par contre, vous êtes déjà parti. Et tu vois, heureusement qu'on a le slide pour rentrer vite. Ouais. Oh, si, on aurait traversé. On aurait été dans la merde. Si tu le dis. Je t'assure que moi j'aurais traversé, j'aurais splitté, ça aurait peut-être pas changé grand chose. Par contre, il meurt plus de faim. Oui, parce que t'es en train de slider, donc tu vois. Ouais, on leur a fait livrer un hamburger. Juste avant, non, il avait plus faim. Si, juste avant. On a commandé un Uber. On l'a fait livrer un McDo. T'as ce réseau de fou là, par contre. Alors, par contre, j'ai pas regardé où c'est qu'il fallait aller. Du coup, vous êtes parti. Ouais, faut faire comme moi, faut suivre Rick. Ouais, en même temps, il y a quatre chemins. Je vais toujours tout droit là, je fais rien. Je pense que pour le retour, en fait, il faut toujours aller tout droit, c'est pas trop compliqué. Et si on par défaut, choisir, ça va. Il faut mieux aller à droite, je pense, parce que là, je vous suis, vous êtes là-bas. Ouais, moi, j'ai rien fait, j'ai juste été tout droit. Il y a encore une maison à l'ouest, quoi. Il y a encore une maison à l'ouest. À mon avis, c'est une autre région. Oui. On peut pas la voir d'ici. Là, je prends le cadeau. Jetez-moi vos diamants si vous en avez, s'il vous plaît. Balles de tromblon, le cadeau. Je vais les mettre dans le coffre. Non, j'ai pu. Ah, je veux bien les balles. Vous. Tu veux, viens vers moi. Je vais te les donner. Je le soigne pendant que j'y suis. Est-ce que je vais quand même aller voir au cas où on doit changer de monde ou pas? Pour madame ou. Ouais, va voir. Madame Féline, ses renseignements sur Capito, nous savons maintenant comment libérer ce monde d'exécuteurs, nous devons en faire bon usage. Ouais, effectivement, ça sent le changement de chapitre. Trouve Barbe Book, l'oracle du Holo. Ouais, c'est évident que c'est le bon. Barbe Book. Tu ne connaîtras pas plus de raison que lui, il est comme une horloge cassée, il n'a raison que deux fois par jour. Cela dit, il n'a pas un mauvais fond et parfois. Attends, je te donnais un truc qu'il fallait pas. Là. Allez, file, j'ai une à rattraper et mon pelage en pâtira. Bonne chance, prends soin de toi. Tira derrière toi, Rick, après j'ai du Miroc aussi. Voilà, il faut aller à la rencontre de Barbe Book qui est en fait sur le truc du milieu. Bah vas-y, active et puis on va voyager comme ça. Ah, vous voulez déjà quitter maintenant? Non, on fera la prochaine vidéo, je pense, c'est mieux. Ouais. Comme ça, les viewers, vous verrez la prochaine vidéo si vous voulez voir la suite. On va faire le raid. Attendre. T'as récupéré, Eric? Probablement. J'ai récupéré. Non, il y en a encore un. On va se laisser ici, peut-être, parce que nous, on va terminer le raid. Hors vidéo, ça a rien de le faire avec vous. Hein. Je pense que vous avez déjà vu suffisamment comment se passaient les raids. Même si l'exécuteur va être là, probablement, ou pas, d'ailleurs. Peut-être pas. On vient de lui mettre une branlée au moulin et peut-être pas revenir directement, quoi. On sait plus trop avec lui. Hein. Ouais, ah, tu feras un screen et tu le mettras en commentaire s'il est là. on verra. Allez, du coup, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye.